Jean, nous t'avons maintenant la vidéo que nous avons fait avant, côté que nous avons dit que dans la prochaine vidéo que nous allons faire, nous allons parler de signes qui montrent que vous faites diabète, vous faites sick, et bien vidéo ça m'a pour nous. Dans la vidéo ça, nous allons parler de qui signe qui montre que vous faites sick, vous faites diabète. Mais tout, si toutefois qu'on pas regarder la vidéo que nous avons avant, côté que nous avons parlé de tension, nous avons parlé de quelques signes, nous avons parlé de 6 signes qui montrent que vous faites tension. Cap montrer que tension haut. Nous tout encourager ou monter sur page là à regarder parce que nous parler de ça depuis vous faire max ça qu'on est que tension haut t'as supposé vers le docteur. Nous parler de ça déjà oui, on va monter sur page regarder. On focus sur ça qui si cap montrer ou fait si ou du moins ou diabétique. On regarde ensemble la vidéo. Il y a plusieurs signes qui cap indiquer que vous avez maladie sick ou fait diabète. Donc c'est de ça que nous allons parler, je me suis dit, à nous regarder ensemble avec la vidéo. Premier bagage, alors, on sent tout fatigué tout le temps, on sent toujours une fatigue qui va jamais qu'à finir. Dès que vous remarquez ça, qu'on est que vous diabétique. Et deuxième bagage, dès qu'on monte et qu'on fait sick, on peut toujours un pipi. Ou pipi souvent, pas de l'eau, et pas un pile d'eau que vous prenez. On va remplir de l'eau, on va avoir un bagage qui permet que pour toujours le pipi, retour au pipi souvent, de vous faire remarquer ça, qu'on est que vous faites sick ou diabétique. Troisième bagage, on sent tout soif tout le temps, on a toujours envie de boire de l'eau, même si on fait tout boire de l'eau, on sent tout soif encore. On finit de boire de l'eau, on sent tout soif encore. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas ça, non? Il n'y a pas de chaud, fait chaud comme si on toujours boire de l'eau, non? Et de vous voir que vous souvent comme ça, vous toujours besoin de boire de l'eau, soif ou pas, jamais passé, il est important oui, pour ta visite ton docteur pour lui voir si vous n'avez pas fait si vous n'avez pas fait diabète. Quatrième bagage, on va toujours sans tout grand. Même on finit manger là, on mange une bonne quantité de manger. On a un bon 30 minutes qui passe, on sent tout grand, on sent tout à manger. On toujours sans tout à manger. Manger par exemple, suffit pour vous, on a l'oufa, on pas de conserve avant. Souvent, on remarque comme ça. Et pas si on brûle. Et pas si on prend un bagage, on prend comme si pour. Capable faut manger plus. Hey, il est important mes amis pour vision docteur pour qu'on sache pas ça. Parce que dans cas ça, ça c'est si qui montre que vous êtes sick frère. Vous êtes sick sem. Il est important pour visiter un docteur. Et cinquième bagarre là, ou après que vous perdez poids, ou t'es gros c'est normal et pas malade ou malade ou pas sentir aucune maladie ou pas sentir ou toujours manger bien ou toujours boire petit jus, mais retour ou perdez poids. Non seulement petit et on perd du poids. Donc c'est important oui, sur les signes ça, ça sont signes qui montrent que vous faites sick. Li bon oui, vous ta visiter un docteur. Sixième bagage là, on pour vision vin flou. On pas très bien, j'ai comme sur n'a regarde bagage là, mais faut caler j'ai pour voir bagage là très bien. Donc faire remarque ça, c'est important pour visiter docteur pour lui font diagnostic sur parce que il est possible que vous faites sick ou diabétique. Septième signe qui va après, après que l'on blessé, il prend temps, il prend plus de temps pour guérir. Il y a un petit mac, il y a un petit mac qui prend temps. Et généralement, un petit mac comme ça, tu as dû guérir dans un jour, soit deux jours. On peut arrêter une semaine. Il prend même presque 15 jours, un mois. Ton petit mac tout petit, un petit blessé, un petit pleur, il est là, il va jamais guérir. Et bien, les bons signes, il est possible que c'est diabète ou fait sick. Ça est important pour ta visite au docteur. Et huitième signe, vous remarquez que vous avez toujours une infection. Vous avez une infection dans la bouche, ou du moins dans la partie sexuelle, dans la partie génitale. Vous avez une infection. Souvent, une infection qui doit finir passer, vous avez une traité, vous sentez que vous avez encore. Et vous avez une raison, vous avez une qui ça cause une infection. Ça. Dans la bouche, vous avez une infection dans la bouche, avec la partie sexuelle. De bouffe. Mais ça, ou remarquez bagay sa yo, alors docteur, pas chita sur ça, li bon, li très très important pour visiter un docteur. Li possible que vous fassiez, que vous diabétiez. Si n'importe monde qui a regardé vidéo ça, dans 8 signes ça, que vous vous présentez là, ou remarquez yon nadan, yon nan ou même, yon important oui, pour ta contacter un professionnel de santé. Immédiatement après que vous regardez vidéo ça, pour capable faire une vérification, on va jamais connaître. Parce que vous avez un cycle, on va jamais connaître. Le fait que vous ne pouvez jamais aller au docteur, vous
cas diabétique là, ouais, j'aime connait. Il est important. Comme ça, docteur a fait test pour vous pour louer sous gain diabète. Sous pas fait ça. Pas oublier, non, il est important faire ça. Si vous trouvez travail n'a fait intéressant, ben abonnez si vous faites ça, like et puis partager vidéo ça tout autant qu'on capable avec les amis, parce qu'il est important, parce qu'il y a des gens qui font sick mais qui pas au courant, qui pas connaît vraiment si on fait sick, mais ils sous partage vidéo ça, c'est un délivrance huile, s'il vous entend regarder et puis mettez en pratique ça que je donne dans vidéo ça. Moi pour maintenant que m'a toujours partager l'autre vidéo ensemble avec nous, et c'est vrai que mon docteur parle là par une page de la santé, même tu trouvé les bons pour parler de sick, tension. Et l'autre bagage qu'on parle encore, c'est de crise cardiaque avec arrêt cardiaque. Pareil, ça est important. Good souvent, on peut faire une crise cardiaque et on ne s'inquiète pas de malade. Voilà, même débat sur un sujet comme ça. Eh bien, je te suis, vous partagez la vidéo, ça, tout le monde est capable. Et puis, on va croiser encore dans notre vidéo. Bye bye tout le monde, à la prochaine.